Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission « Ça se passe chez vous ». Comme à toutes les semaines, on reçoit du monde qui vient de nous parler de qu'est-ce qui se passe dans votre patelin. Ça peut être effectivement à l'île aux coudes, ça peut être aux éboulements, ça peut être à Saint-Urbain, à Baie-Saint-Paul, un peu partout quoi. Alors, ce qui se passe chez vous, ça se passe également chez nous. Alors, ce matin, je vous présente immédiatement mes invités. Isabelle Tremblay, bonjour. Bonjour. De la MRC de Charlevoix. Oui. En environnement, bien sûr. En environnement. Bon, puis on va parler de quoi avec toi? Aujourd'hui, on va parler de la positionnement des bacs en bordure de rue. On est rendu dans le positionnement des bacs. C'est quelque chose. Avant, c'est-à-dire comment on les remplit, mais là, c'est dans le positionnement. OK. Thomas Lepage-Gouin, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi? On va parler de la semaine de relâche qui s'en vient, puis on va parler aussi des nouveautés au camp de Manoir. Alors, parce qu'il y a des nouveautés comme telles, il y a de la vie au camp de Manoir là, depuis quelques années. Là. On essaye. C'est le fun. Puis Olivier Bélanger, bonjour. Allô. On parle de quoi avec Olivier? Un peu dans la même veine que Thomas, on va parler du camp de la relâche, mais au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. OK, donc il y a une relâche qui s'en vient. Si les gens ne savaient pas, il y en a une qui s'en vient. C'est au mois de mars, c'est ça? Oui, 6 au 10. 6 au 10 Exactement. Mars. Bon, super. Puis là, ben, je veux dire, même si on parle de relâche à deux endroits différents, je pense que les sites sont totalement, offrent des services complètement différents également. Exactement. Oui. Isabelle, oui. Positionnement des bacs. Oui. On a-tu un problème avec le positionnement des bacs? Oui, surtout cet hiver, là, avec le déneigement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont... Surtout qu'il y a eu de la neige. Oui, c'est ça. Donc, je voulais vraiment dire aux citoyens comment positionner comme il faut leur bac en bordure de rue. Parce que justement, là, on rencontre des problématiques, on a beaucoup de plaintes de bacs non vidés à cause de ça. Les plaintes viennent-ils des gens qui ramassent les bacs ou de ceux qui les déposent, puis finalement... D'un peu tout le monde, finalement. Ouais. On en reçoit du déneigement, on en reçoit des citoyens, puis on en reçoit d'entrepreneurs de collecte. Donc, bon. C'est pour ça qu'on veut mettre ça au point un peu, mettre ça clair, comment mettre son bac Alors, en si bordure de rue. Alors, si je comprends bien, on ne peut pas placer ça n'importe où, n'importe comment. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des réglementations au niveau des municipalités, donc on n'a pas le droit de mettre un objet, n'importe quel objet que ce soit, dans l'emprise de la ville. Dans l'emprise de la ville, ce qui veut dire que la portion qui appartient rue, à la ville. Ouais. Okay. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention de placer son bac comme il faut, parce qu'il y a des gens qui les mettent sur le trottoir directement ou dans la rue. Ben, sur le trottoir quand même, il y a du monde qui passe. Ben, c'est ça. Il faut être logique un peu, c'est du gros bon sens, quoi. On peut avoir des infractions au niveau là, municipal parce qu'on n'a pas positionné notre bac correctement. Ou s'il arrive un accident, il y a une voiture qui fait un accident à cause que notre bac était dans la rue ou quoi que ce soit, bien, on peut être tenu responsable en tant que propriétaire de bac de l'accident. OK. Donc, c'est important. Il y a des dommages collatéraux, comme oui, on dit. Oui, c'est ça. Donc, c'est une des premières choses que je voulais dire là, aux gens, c'est qu'il faut vraiment là, faire attention parce qu'il y a une réglementation à ce niveau-là. OK. Après ça, le bac, il faut vraiment le sortir la veille de la journée de collecte. Donc, on ne peut pas le laisser là toute la semaine. Il y a une réglementation aussi à ce niveau-là. Il y a des résidences dites touristiques qui font que bon, ben, cette semaine, c'est effectivement tel bac bleu ou le brun. Moi, je viens les week-ends, je le mets le lundi, puis je sers le... C'est ça qui se passe. Oui, oui. Puis il y a aussi des citoyens qui restent un peu plus loin du chemin aussi, qui les laissent en permanence en bordure du chemin. Mais ça, c'est pas permis non plus. Donc, on les sort vraiment la veille, on vérifie notre calendrier, notre collègue est le jeudi. On les met le mercredi soir après 6 heures, là, en soirée. Puis le lendemain, il faut le rentrer aussi. Là. On le replace à la maison, là. On ne le laisse pas en bordure de rue. Bon, ça, c'est un règlement en principe. Ouais. Est-ce que si je le fais pas, ses doigts? Oui, ça peut arriver. Il peut. Il y a des municipalités qui le font. Oui, bon. C'est pas toutes, c'est pas toutes les municipalités. Faut payer pour apprendre, comme on dit. Là, mais il y en a qui le font où ils t'envoient un petit avis d'infraction, là. Peut-être okay. pas nécessairement avec l'amende, mais en tout cas, donc c'est un autre règlement. Mm-hmm. Après ça, le bac, il faut que tu le places face à la rue. Donc, les roues du bac sont vers la maison. OK. Donc, on l'amène et on le laisse là. Sur le bord de la rue. Pour l'hiver, ce qu'on recommande présentement, là, c'est de le placer à gauche de son entrée. Quand tu es face à ta maison. Face à la maison, d'accord. Tu le mets, ben, disons que la maison est ici, là, tu le mets du côté gauche. OK. Ce qui veut dire que quand le camion passe, ben, il le voit davantage parce que l'entrée est dégagée. Avec le mur de neige, si tu le places à droite, caché en arrière du banc de neige, ben, ça arrive des fois que le camion passe. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Donc, on recommande vraiment de le mettre du côté gauche Alors, de notre entrée. Le côté quand gauche. On est face à la maison. Toujours face à la maison, comme tu dis. C'est Au ça. Moins, on est capable de se situer. C'est ça. Face à la maison, côté gauche, on met notre bac de ce côté-là. OK. Une autre chose, c'est qu'il faut laisser une distance de 3 pieds ou d'un mètre tout le tour de son bac. Si on a deux bacs à déchets, on veut les mettre les deux, on met vraiment une distance de 3 pieds entre les bacs. Si on a, j'ai une petite affiche aussi. Oui. Si on a une boîte à mal, un arbre, un muret, notre véhicule,
Donc, il faut vraiment laisser une distance, même par rapport à la rue ou à l'emprise de la rue, du trottoir, là. Parce que l'engin, c'est des bras quand même qui sont assez larges. Oui, qui c'est vient, un bras qui sort. Qui vient l'entourer finalement. Qui ramasse le bac. Fait que, ouais. Donc, pourquoi si on veut proche, une distance? C'est ça. S'il y a deux bacs collés, il n'est pas capable de le prendre avec c'est sa pince. C'est du gros bon sens, encore une fois. Oui, il faut c'est juste ça. Réfléchir. Il faut réfléchir que c'est une pince mécanisée qui ramasse notre bac. Donc, si on a notre piquet à neige, on colle notre bac sur le piquet à neige, bien. Ça se peut que le piquet à neige parte. S'il y a une boîte aux lettres, mais la boîte aux lettres s'en va avec. Ben, c'est ça. Donc, c'est une bonne chose, on n'aura pas de facture ce mois-là. Dans le fond, les chauffeurs, ce qu'ils font, si c'est trop collé sur une galerie ou sur une boîte à lettres, ils ne ramasseront tout simplement pas parce qu'ils ne veulent pas se mettre d'un frein ben non plus. Ben non. Ce qui appartient aux gens. Après ça, au niveau des tempêtes. Donc, quand il y a beaucoup de neige. Le camion ne passe pas dans les tempêtes? Il peut passer. Il y a des fois que c'est remis ou pas, mais s'il passe puis qu'il y a eu une tempête durant la nuit, puis vous avez sorti votre bac, puis vous l'avez laissé là, donc il est enneigé. C'est un peu normal, là, on ne le sait pas. On dort la nuit quand même. Oui. La tempête est pendant la nuit. Mais tu sais, il faut penser qu'il faut l'entretenir. Ouais. Donc le matin, il faut quand même y aller de bonne heure pour vérifier si notre bac est toujours à la bonne place. Il n'est pas là pour ramasser la neige, il est là pour ramasser les déchets. C'est ça. Donc si ton bac a été renversé par la charrue parce que tu l'avais mis trop près de la rue, ben il ne peut pas le ramasser et il ne débarque pas du camion. Ouais. Donc, le bac n'est pas ramassé à ce niveau-là. Si ton bac est enterré par un gros relais de neige par la charrue, puis qu'il n'est pas capable non plus de le saisir avec ses pinces, bien, il ne le ramassera pas non plus. Okay. Donc, il faut penser que quand il ne fait pas beau, bien, il faut quand même entretenir son bac. Là. Il ne s'agit pas juste de le mettre au chemin puis de dire « Ah, je l'ai mis ». S'il est tombé ou… Oui, parce que là, je l'ai mis, il n'a pas ramassé, j'appelle la ville, je me plains. En partie, le résident est coupable, là. C'est sa faute. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça qu'on a présentement beaucoup de plaintes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont saisonniers aussi, qui mettent leur bac justement à trop de bonne heure. Il fait pas beau une journée, la charrue renverse le bac ou l'enterre. Donc, eux autres, ils reviennent la fin de semaine, ils disent « Ah, mon bac n'a pas été collecté ». Ils nous appellent, ils disent « Le camion passe pas depuis un mois oh, ». Ouais. Parce que là, ces temps-ci, les tempêtes sont toujours les mêmes journées. Hein? Oui, c'est les mercredis. Au 15 jours, fait que ça tombe toujours sur la collecte des déchets. Bon. Donc, ça fait un mois que les déchets n'ont pas été ramassés. Mais pourquoi? C'est parce que justement, le bac… Il est tombé, le camion. Puis même maintenant, les chauffeurs nous prennent des photos aux endroits problématiques, parce que c'est souvent les mêmes qui apprennent. Justifier un peu, bon, ouais. Fait que là, on a bon, c'est toujours les mêmes, pas mal, ouais. Ah, c'est pas mal toujours les mêmes secteurs, disons. Plus ça change, plus c'est pareil. Ben, les tempêtes sont toujours les mêmes journées. Ouais. Fait que ça tombe toujours les mêmes secteurs. Je peux pas vous le dire, parce qu'initialement, l'an dernier, je pense, c'était toujours les mardis. Nous autres, on a notre bingo le mardi soir. Ça fait que là... Mardi, le monde ne sort pas pour aller chercher effectivement les cartes de bingo à dernière minute. Cette année, on est chanceux, c'est le mercredi. Mais non, c'est ça. On dirait que ça va vraiment céduler les tempêtes. Puis comme tu as dit un petit peu tantôt, si ton bac n'a pas été collecté parce que tu l'avais mal mis ou que tu ne l'as pas entretenu, ben, tu ne peux pas appeler et dire qu'il n'a pas été collecté, puis on ne retournera pas le camion pour ça. Parce que, dans le fond, c'est la faute aux citoyens. Il y a un circuit, puis il y a un horaire, ça fait que c'est là que ça se passe. Il passe cette journée-là, à telle heure. Êtes-vous propriétaire, monsieur? Avez-vous des bacs à mettre à votre entrée? Avez-vous rencontré déjà ce genre de situation-là? Moi, il n'y a pas de... Non, moi, ça va. Ça va? J'ai assez de place dans mon entrée pour que mettre le bac, puis qu'il soit récolté à chaque fois. Ben. Ouais, même chose de mon côté. Même chose, bon. Vous êtes des bons citoyens, quoi. Bonjour à nos bacs. Ouais. C'est ça. C'est la même chose au niveau commercial aussi. Il faut que là, les gens comprennent qu'il faut entretenir aussi un conteneur chargement avant, là, déchets, recyclage. S'il est enneigé, ben, le camion, s'il n'est pas capable de le prendre. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une rotation. Une semaine, c'est le bac bleu, une autre semaine, c'est le bac brun, puis une autre semaine, c'est le bac vert. Là, je veux dire, finalement, c'est de suivre l'horaire. C'est ça. Il faut suivre son horaire, puis entretenir ses bacs. Donc, okay. Donc, finalement. Récemment, j'ai vu une note passer dans mon petit carnet municipal, comme de quoi qu'on pouvait aller chercher un sac particulier, là, un sac, dans le fond, qu'on ramassait les feuilles pratiquement, un sac de jardin. Oui. Dans le fond, c'est un truc pour l'hiver qu'on a essayé cette année. Donc, c'est des sacs à résidus de jardin que les gens peuvent mettre directement dans leur bac brun. Il est un peu plus petit que le bac, là, c'est sûr, il faut faire attention quand on met nos bacs dedans. On peut en mettre deux dedans. Il fait pas mal la grosseur du bac. Donc, on met le grand sac dans notre bac brun et puis on met nos résidus alimentaires à l'intérieur du grand sac. Ça fait que ça empêche les matières de coller aux bordures du bac parce qu'on sait que l'hiver, le problème, c'est que ça gèle dans nos bacs. Mm-hmm. Fait que c'est un truc qu'on donne aux citoyens puis on voulait leur faire essayer. Donc, en décembre, les gens pouvaient passer dans les municipalités chercher des sacs pour l'essayer là, sans frais, puis après ça, s'en racheter s'ils étaient intéressés, s'ils trouvaient que ça marchait bien puis que ça les intéressait.
Fait que c'est un truc qu'on a essayé cette année, puis on va probablement le réessayer l'année prochaine en distribuant encore un échantillon gratuit. Là. Parlant du bac brun, ce qui s'appelle aliment ou déchets comme ça récupérables, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est stabilisé depuis qu'on l'a lancé ou bien là, c'est en progression? Mais c'est sûr que ça va bien. On a quand même des bons tonnages là, de ramasser environ 700 tonnes en 2016, mais ça pourrait être vraiment beaucoup mieux que ça. Parce que si on se fie au plan de gestion qu'on vient de mettre à jour, ben on valoriserait seulement près de 17 % de seulement ce qui 17 % ce qui veut dire qu'on jette ça encore dans le bac vert, finalement. Oui, c'est ça. Ben, quand on regarde là, la journée de collecte, nos voisins ou notre municipalité, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des secteurs qui participent vraiment plus que d'autres, mais il y a des endroits où... jeudi dernier, c'était la collecte du bac brun. Il y avait Petite Rivière, il y avait des secteurs de Baie-Saint-Paul. Puis il a ramassé 17 bacs en tout, en tout son trajet. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est sûr que c'est l'hiver. Il y a des gens qui participent peut-être pas l'hiver. Ouais. Mais l'été, il y a des gens aussi qui participent. Grande place à amélioration. Oui. Puis en plus, ben, on peut récupérer ça parce que ça devient du compost. Oui, c'est ça. Donc là, c'est là que ça devient intelligent. Oui, c'est de des le faire. Économies aussi au niveau des. De nos factures de taxes, parce que ça coûte moins cher de composter des matières que de les enfouir. Uh-huh. Donc, il faut que les gens ils finissent par comprendre que s'ils utilisent leurs trois bacs adéquatement, ben ça va sûrement se répertorier sur le compte de taxes éventuellement. Puis le fameux petit sac de papier, on peut le faire aussi dans le petit bac de maison. Là. Oui, donc avec les bacs de cuisine, ce que nous, on propose aux gens, c'est de se faire des sacs soi-même avec du journal. Du bricolage en plus. Bon, les camps, là, vous allez pouvoir utiliser dans la relâche la façon de faire. Oui. On a envoyé le journal Vers l'avenir dernièrement là, dans les résidences. Puis à l'intérieur, il y avait une petite feuille qui expliquait comment faire justement la doublure maison. Je ne l'ai pas vu, ça m'a échappé ça. Ah! Donc, je sais pas si on a le temps d'en faire une démonstration ou si on... T'es-tu bonne? T'es-tu capable de nous faire ça? Ah oui, c'est quand même pas difficile. Peut-être, je vais te laisser le faire pendant qu'on va interviewer les autres personnes. Puis à partir de là, on va pouvoir le voir au fur et à mesure. Hein? Je pense que ça va être okay. Ça, va être ça je l'exercice. Je vais faire de bruit. Hein? Nous, on va faire une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Thomas Lepage-Gouin du camp Le Manoir. Bonjour. Bonjour. La relâche s'en vient. Le camp Le Manoir, c'est un camp où il y a beaucoup, beaucoup d'activités pour les jeunes. Absolument. Alors, c'est l'occasion idéale de parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer chez vous pendant la relâche. Pour la troisième année consécutive qu'on le fait, on va accueillir des jeunes pendant la semaine de relâche. Donc, c'est un camp de jour. Les jeunes viennent le matin, retournent à la maison le soir. Avec ou sans leur lunch, parce qu'on peut fournir les repas et les collations si les parents veulent une relâche aussi, une relâche de boîte à lunch. Bref, les jeunes viennent, vont vivre autant des activités de camp qu'on fait habituellement parce qu'on a la chance de les avoir à l'intérieur. Donc, on pense au tir à l'arc, tir à la carabine, escalade, qui sont extrêmement appréciés des enfants. Tout ça est à l'intérieur. Tout ça, c'est à l'intérieur, donc on va continuer de le faire même en hiver. Et on va mêler à ça des activités hivernales. Donc, on a plusieurs sentiers et des paires de raquettes, donc randonnée en raquette, de la glissade. On a ce qu'il faut pour jouer au ballon, balai dehors, au hockey, des choses comme ça. Donc, selon le nombre de jeunes, selon leur intérêt, on va faire des activités là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va aussi ajuster l'horaire beaucoup selon la météo. Vous pouvez accueillir combien de jeunes au camp Le Manoir? Au camp Le Manoir, 115, 120. Oh, okay. Mais au camp de la relâche, c'est beaucoup plus modeste. Là, on est entre 25 et 35 jeunes. okay. qui viennent nous visiter pendant cette semaine. Est-ce que c'est ouvert exclusivement pour les gens des éboulements? Non, c'est ouvert aux gens de... Évidemment, aux gens des éboulements, mais aux gens de tout Charlevoix, puis on en a aussi de l'extérieur. Donc, on a des gens qui sont soit en visite chez leurs grands-parents, soit leurs parents sont ici pour la relâche, puis ils viennent passer la journée avec nous pendant la semaine, puis ils passent la fin de semaine et les soirées à la maison. Donc, il y en a pour tous les goûts, là. Il y a de tout. Ah, c'est super. Camp Manoir, ça existe depuis combien de temps? Camp Manoir, ça va être le 52e ou 53e été qu'il y a des camps. Avant ça, ça existait, mais c'était pas un camp en soi, là.
OK. Et c'est la municipalité, par l'intermédiaire d'un OBNL maintenant, qui gère ça? C'est vraiment un OBNL. La municipalité est un de nos partenaires. Comme on a, comme la MRC est un de nos partenaires, comme on en a plusieurs autres. Donc, ça appartient pas à la municipalité, ça appartient encore à la congrégation religieuse qui l'avait avant, mais c'est maintenant opéré de façon complètement laïque par un conseil d'administration puis par, par des employés. Puis la venue de l'OBNL, elle, a changé quoi dans la vie du camp? Bien, on avait le défi de rentabiliser le camp puis de le rendre comme un partenaire régional. Au sens très large, au niveau du loisir, au niveau du tourisme. Donc, c'est vers ça qu'on a travaillé. Différents projets, autant avec la municipalité qu'avec le reste de la région, pour, oui, continuer d'offrir des camps en été, mais pour diversifier davantage. C'est très dur d'opérer une business comme ça pendant 2 mois par année. Ouais. Donc, il fallait faire quelque chose pendant les 10 autres mois. Donc, on a mis plusieurs projets en place. Un des récents projets, c'est une salle d'entraînement et l'utilisation, on en parlait il y a 2 minutes, du mur d'escalade, donc pour le grand public. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec la municipalité des Éboulements cet hiver. Le mur d'escalade, là, c'est un mur intérieur, là. Oui. C'est haut comment, ça? Ça a presque une trentaine de pieds. Oh. Donc, pas loin. As-tu fallu défoncer, ouvrir, faire quelque chose pour faire un mur? C'est un bâtiment qui a été construit pour avoir un mur d'escalade. Donc, le bâtiment est construit. Le bâtiment, il est neuf. Il y a une quinzaine d'années, il n'est pas très vieux. OK. Puis c'est un bâtiment qui a vraiment été construit pour ça, pour contenir, entre autres, la salle de tir et le mur d'escalade. Donc, c'est une infrastructure unique dans Charlevoix, qui était à côté de nous, mais dont la population ne pouvait pas avoir accès. Donc, on a trouvé une façon de donner accès. On peut maintenant former les gens. Par exemple, vous n'avez jamais fait d'escalade, ouais. Mais nous, on n'a pas un moniteur qui est en permanence. On va vous rendre autonome et vous allez pouvoir venir grimper quand vous voulez. Donc, on va vous initier à ça, vous apprendre comment assurer, comment faire pour faire cette activité-là de façon sécuritaire. Ça prend un équipement particulier, là? Surtout un équipement, oui, mais surtout une technique. J'aurais beau vous donner l'équipement, si je ne vous dis pas quoi faire avec, vous ne serez pas plus en sécurité. Okay. Donc, on va prendre le temps. Comment ça fonctionne? C'est sur réservation, dans le fond? On peut appeler au Calmanoir, puis... Exactement. Par exemple, tu n'en as jamais fait, vous êtes 2-3, vous voulez apprendre, puis vous mettre à venir grimper régulièrement, vous m'appelez. On forme un petit groupe, 3-6 personnes. Okay. On fait un cours d'initiation ensemble. Ça dure 3 heures. La semaine suivante, on fait comme un petit examen qu'on appelle une accréditation pour vous dire, bon, ils ont bien compris, c'est sécuritaire et à l'avenir, vous êtes des grimpeurs autonomes. Okay. Qui peuvent venir quand vous voulez. Le mur d'escalade est ouvert, tout comme la salle d'entraînement, de 6h à 23h tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Mais on n'a pas la contrainte, il n'y a pas une personne qui est présente. Donc, on pouvait avoir de très grandes heures d'ouverture parce que les gens arrivent puis c'est une puce électronique qui vous permet d'entrer, qu'on vous donne avec votre abonnement, que ce soit au gym ou à l'escalade. Et donc, après ça, les gens peuvent venir... faire l'activité qu'ils veulent, là, que ce soit l'entraînement ou la grimpe, de façon autonome. Donc, je suis débutant, je peux y aller, puis si j'avance avec la technique, je peux avoir des défis plus grands sur le même mur. Le mur en soi peut être un défi. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, monter en haut va être un défi amplement suffisant. Le mur est de plus en plus dur. Il y a une corniche où on va à l'envers. Ça, le monde sont à l'envers. Exactement. Là, tu vois les images en plein air. Là, c'est le vide en bas. Là. C'est comme ça dans le mur. À l'inverse, pour les gens qui sont plus avancés, il y a aussi ce qu'on appelle des voies. Donc, en escalade, il y a toutes sortes de prises sur un mur, mais je vais prendre que les prises jaunes pour me rendre en haut. Okay. Et c'est des gens qui ont designé ces voies-là avec un coefficient de difficulté. Donc, la personne qui débute va commencer avec des voies plus faciles que la personne qui en fait depuis des années et des années et qui est un expert en escalade. Donc, ça, c'est pour le mur d'escalade. Puis, maintenant, voilà. Vous avez un gym, là. Il y a aussi une salle d'entraînement, donc un elliptique, un vélo stationnaire, tapis roulant, des différents équipements de musculation et d'étirement. Donc, toutes sortes d'équipements comme ça qui sont disponibles pour la population. C'est une belle salle d'entraînement. Puis, c'est une salle d'entraînement, je dirais, semi-privée. Il y a presque pas de monde, donc on est souvent seul quand on y va. Les gens mettent ce qu'ils veulent à la télévision, puis ils viennent s'entraîner, là. Seul ou je trouve que vous êtes bien placé parce que tu arrives de l'île aux côtes sur ton passage super-été, tu retournes, tu t'en vas aux Éboulements, la même chose, tu t'en vas à Saint-Irénée ou autre. Dans le fond, c'est stratégique et géographique. Là. Oui, exact. On a même autant la salle d'entraînement que le monde d'escalade n'est pas que pour les gens des Éboulements. Évidemment, il y a beaucoup de gens des Éboulements, mais on a des gens de l'extérieur aussi. L'escalade, on a entre autres un noyau de grimpeurs qui vient de Baie-Saint-Paul. Puis on a aussi des gens qui vivent à la Malbaie, travaillent à Baie-Saint-Paul ou vice-versa, qui utilisent notre salle d'entraînement parce qu'elle est sur le trajet. Donc, ça évite d'avoir à le faire avant de partir ou rendu à la maison, coupe la route en deux, viennent s'entraîner le matin ou le soir. Donc, on a toutes sortes de gens qui se rencontrent là, dans ce nouvel équipement-là en loisir. Alors, les jeunes dans la relâche, donc, ils ont des activités autant intérieures qu'extérieures. Ça peut être du bricolage aussi ou des choses comme ça, mais majoritairement orienté vers de l'activité physique. Ben,
on va vraiment s'ajuster selon l'intérêt. Il va y avoir de tout. D'habitude, ils vont faire une ou deux activités de cuisine aussi. On va faire effectivement des activités plus artistiques. Puis il va y avoir aussi beaucoup de choses qui bougent, que ce soit des jeux plus ludiques ou des sports plus organisés. Donc, il y a de quoi organiser, mais occuper les jeunes en soi. Il y a amplement de choses à faire et il y en a surtout pour tous les goûts. Donc, tous les jeunes vont trouver leur compte à venir là. On va avoir des activités qui sont dans leurs intérêts pour tous les jeunes. Ça, c'est officiel. Alors, ça se passe dans le temps de la relâche, du 6 au 10 mars. Exactement. Il y a un prix d'entrée, j'imagine, puis il y a un coût rattaché à ça. Oui, il y a un coût, c'est 97,50 pour toute la semaine. Sinon, les gens peuvent choisir à la journée. Donc, quelqu'un peut dire, moi, j'ai lundi, mardi ou que vendredi. Les gens choisissent vraiment la journée qu'ils veulent venir. On a des gens d'un peu partout dans Charlevoix déjà d'inscrits, là. Et c'est au camp de manoir qu'on se présente pour le tout? Pendant la semaine, oui, tout l'accueil sur le camp de manoir. Pour l'inscription, c'est sur notre site Internet. Okay. Donc, tout est en ligne. Campdelemanoir.qc.ca. Les gens vont dans la section « Inscris-toi », puis il y a un onglet « Camp de la relâche ». Tout est là. Mais je pense que j'aimerais se retourner, moi, être plus jeune dans la relâche. <Moi aussi. rire> Écoute-là. On est sur le bord là, de faire on des on peut-tu se déguiser? Super. Thomas Lepage-Gouin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et merci puis, on revient à la fin avec les saviez-vous que, ou bien non, comment qu'on appelle ça déjà? Un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. Nous, on fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Alors, cette fois-ci, on va s'adresser à Olivier Bélanger, de la ville de Baie-Saint-Paul, au loisir. Bonjour. Exactement, bonjour, bonjour. On parle aussi relâche. Oui, exactement. Là, dans la même thématique que Thomas, on parle du camp de la relâche du 6 au 10 mars. Les dates c'est les mêmes dates. Exactement. Parce que je pense que la relâche dans la province est comme divisée en deux selon les dates. C'est sûr, bien, ça fonctionne en commission scolaire. Puis pour la nôtre, étant donné qu'on est à Charlevoix, commission scolaire de Charlevoix, c'est les mêmes dates. Tout le monde en même temps. Exactement. Et voilà. Alors, il y a de la planification, il y a de l'organisation, donc les parents peuvent envoyer effectivement les gens à la ville de Baie-Saint-Paul pendant cette période-là. Exactement, exactement. Nous, c'est un camp un petit peu différent. Par exemple, nous, on l'offre cette année sur 3 jours. Donc, mardi le 7, mercredi le 8 et jeudi le 9. Donc, nous, c'est un camp sur 3 jours. Donc, on peut s'inscrire pour le camp pour les 3 jours ou aussi on peut choisir une journée, soit mardi, soit mercredi, soit jeudi, selon la programmation, là, ce qui nous intéresse le plus, en fait. Baie-Saint-Paul a l'avantage d'avoir différentes infrastructures. Je pense que vous allez les exploiter là-dedans. Ben exactement. Nous, notre but, c'est d'exploiter nos 4 grosses infrastructures. Là. Donc, je parle de l'aréna, le carrefour culturel Paul Médéric, le bloc C là, à la polyvalente Saint-Aubin et la bibliothèque René Richard. Donc, en plus de ça, d'exploiter nos infrastructures, ben, ça nous fait une programmation qui est assez variée. Donc, on a du culturel, du sportif. Donc, on essaie de toucher un peu à tout. On va aller faire une disco patin à l'aréna. Disco patin, OK. Oui, disco patin. En fait, on ferme les lumières, il y a une boule disco, on achète des petits fluorescents, on donne ça aux jeunes. Cette activité-là, ce qui est intéressant, c'est que, oui, elle est ouverte au camp de la relâche, mais elle va être ouverte aussi à la population en général. Donc, quelqu'un qui veut venir avec sa famille, il n'y a pas de problème. C'est 5 $ pour la famille, 3 $ un adulte, 2 $ un enfant. L'après-midi, le matin, c'est, le soir? Cette activité-là, c'est le mardi après-midi. Le mardi après-midi. Donc, mardi le 7 en après-midi, c'est la disco patin. Donc, à partir de 13h, puis c'est toute l'après-midi. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est pour l'aréna. En même temps, j'en profite pour dire que le hockey libre, patinage libre aussi, ça, c'est toute la semaine. Donc, c'est ouvert au public. Là, vous avez juste à consulter l'horaire sur le site Internet. Ensuite de ça, on va exploiter la bibliothèque René Richard. On a fait venir un caricaturiste de Québec. Donc ça, c'est une belle nouveauté pour le camp, je pense. C'est super intéressant. Il va venir donner un atelier aux jeunes de dessin, caricature, BD. Donc un petit atelier. Ensuite, les jeunes pourront se pratiquer. C'est très populaire chez les jeunes, la BD. Oui, c'est ça. Puis en plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que pendant que les jeunes vont se pratiquer avec ce que le formateur leur a montré, il va pouvoir les dessiner à tour de rôle. Donc chaque jeune va pouvoir partir avec une caricature là, de lui, un peu rigolote, là. Donc ça, c'est super intéressant. Thomas, Isabelle, avez-vous des talents artistiques? Non. Dessin? Non? Aucun. Aucun? Non. Ah, ben, c'est un professeur. Ouais. Je vais m'inscrire, je pense.
Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite de ça, on a au Carrefour culturel Paul Médéric, là, on exploite nos expositions. Donc on a une dame et un monsieur de Saint-Placide qui font des capteurs de rêve, qui vont venir donner une formation là, pour la fabrication de capteurs de rêve. Aussi un atelier de peinture, puis un atelier de des produits de l'érable. Donc comment faire des suçons à l'érable. Donc chaque jeune va pouvoir partir là, avec une petite gâterie. Donc, c'est une belle activité, un petit peu de culturel, un petit peu de culinaire, c'est super intéressant. Capteur de rêve, c'est toujours intriguant parce que, bon, oui, le capteur de rêve, là, tu sais, c'est de l'imaginaire. Puis... Non, c'est ça, puis c'est vraiment les gens qui fabriquent là, les capteurs de rêve, donc c'est super intéressant pour les jeunes. Là. Ils vont vraiment apprendre un peu, je pense, l'histoire derrière ça aussi. Puis finalement, on a aussi à la polyvalente Saint-Aubin, là, on va faire du sport beaucoup, puis on a des bains libres animés aussi. Le bloc C, c'est principalement tout ce qui s'appelle les gyms et la piscine. Exactement, c'est le bloc sportif, donc palais, gymnase, puis la piscine. Nous, c'est les deux grosses infrastructures là, qu'on utilise là-bas. Donc, il va y avoir une demi-journée multisport. On peut faire hockey cossum, basketball, soccer, donc on a accès à beaucoup de choses. Puis, il y a la piscine aussi, là, où on a des grosses structures gonflables. Puis c'est super sécuritaire avec les sauveteurs qui sont là. Donc, les jeunes pourront se baigner aussi. C'est là. Du bain libre en soi, là, foncièrement? Exactement. OK. Exactement. Un bel libre animé, là, avec les structures gonflables. Il y en a pour tous les goûts, si je comprends bien. Là. Je veux dire, comme tu dis, autant culturel que sportif. C'est ça, exactement. Donc, peu importe là, vos intérêts, je pense que à quelque part dans le camp, là, les jeunes vont se sentir interpellés. Là, je pense ce que j'aime ça, c'est des saines habitudes de vie là, qu'on essaie d'inculquer aux jeunes. On les perd en vieillissant, on devient plus paresseux. Ouais. On organise ça pour les autres. Ouais. Mais si de fait, on a des activités jeunes que l'on aime, ben, en vieillissant en général, on a la chance de pouvoir les pratiquer puis de perdurer dans le temps et de garder sa forme physique. C'est important, l'âge qu'ils ont. Nous, on est là beaucoup pour les faire découvrir des choses. T'sais, ils n'aimeront pas tout, mais ils vont se découvrir des talents, des passions, des intérêts pour vraiment toutes sortes d'activités. Puis c'est ça qu'on fait en ayant des programmations variées. On pourrait dire on prend les deux, trois choses qui marchent le mieux puis on remet tout le temps ça. Mais on va chercher d'autres choses puis ça va capter de nouveaux intérêts. On va chercher d'autres jeunes aussi peut-être qui se sentaient moins interpellés l'année d'avant ou qui... Donc, c'est un peu ça le défi aussi, je pense. À la ville de Baie-Saint-Paul, est-ce que c'est exclusivement pour la population de Baie-Saint-Paul? C'est pas exclusivement pour la population de Baie-Saint-Paul, mais année après année, là, on a beaucoup, beaucoup de gens de Baie-Saint-Paul. Mais un jeune de Saint-Urbain qui désire s'inscrire, peut le faire. Il n'y a pas de problème. Okay. Aucun problème. On parle de quel prix là-dedans? Là? Pour les trois jours, là, donc on parle là, du camp de la relâche, c'est 60$. Sinon, si on veut venir à la journée, c'est 30$. Donc c'est assez avantageux de prendre les trois jours. Donc, mais il y a quand même un choix. Il y a une liberté là-dedans. Si on veut seulement c'est ouvert journée, de quel âge à quel âge pour... Nous, c'est 5 à 12 ans. Okay, même chose. C'est pour les jeunes d'âge primaire. Okay. Au secondaire, ils n'ont pas besoin de ça? Ils aimeraient ça pourtant. L'intérêt, normalement, ce qu'on se rend compte, l'intérêt est moins là. Ils ne veulent pas être mélangés avec des 5-12 ans. C'est les anciens du primaire. On le vit l'été. Moi, j'ai un camp spécialisé pour les ados en été, puis on réussit à en attirer quelques-uns, mais c'est beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins impliqués. Ils veulent être autonomes, indépendants, être en gang avec le chum. C'est ça. C'est un autre défi. La programmation ne pourrait pas être la même, là, je pense. Non, j'imagine. J'imagine. Quoique, chez vous, du tir à l'arc, un ado, découvrir ça, c'est ouais, le mur, la même chose. Il aime les activités, mais. On les abordera pas de la même manière. Les activités que je nomme sont vraies pour tout le monde, mais on fait pas la même escalade pour les 5 ans qu'on fait de l'escalade pour les 12 ans qu'on fait pour les 15 ans. Donc, c'est le même pour toutes nos activités. Oui, les activités, le nom de l'activité va être le même, mais comment l'activité se déroule puis la nature de l'activité vont changer énormément selon l'âge. T'es tout à fait normal, je pense que... On s'ajuste. Oh, ouais. Plus t'es ado, puis t'as de la testostérone, puis plus t'as le goût de bouger. Des choses à ajouter? Juste en terminant, si vous désirez vous inscrire, ça se passe à l'Hôtel de Ville. Donc, les inscriptions se font là. Donc, on peut régler tout ça là, à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul. Aux heures normales d'ouverture. Exactement. Donc, entre 8h30 et 16h30, du lundi au vendredi. Super. Olivier, merci. Ça fait plaisir. Nous, on fait une petite pause, puis on revient pour la conclusion de l'émission. Alors déjà, la fin, mais avant de vous quitter, on va faire comme à l'habitude, on va demander à nos invités quel est leur coup de cœur,
ont pu découvrir dans la région. Alors, on va commencer par Olivier. Oui, en fait, mon coup de cœur, moi je vois que la boulangerie, chacun son pain. Donc en étant moi-même un amateur de pain, là, j'y vais quand même assez souvent. Puis à chaque semaine, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils essayent de renouveler leurs marchandises. Donc il y a une nouvelle sorte de pain, que ce soit du pain au fromage, du pain au chocolat, pain aux olives. Donc ils essaient d'apporter toujours de la nouveauté, donc je trouve ça super intéressant. Puis le personnel aussi est super chaleureux, je pense que c'est une valeur chez eux. C'est une belle entreprise du coin, là, puis qui progresse, puis qui pousse, puis il y a du dynamisme. Ils sont super accueillants, toujours le beau sourire, donc c'est intéressant. Puis vous m'avez appris au début de l'émission, en plus, qu'ils ont maintenant, je pense, ouvert quelque chose à l'hôtel de la ferme, en plus. En fait, oui, maintenant, le Germain, effectivement, le fameux café de la gare, là, je sais que dans la dernière année, c'est eux autres qui géraient ça, ça fait que... On a la même qualité, peu importe où l'on va. Oui, c'est ça. Donc, c'est super intéressant. Puis, moi, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Et ton pain préféré dans tout ça? J'irai avec le pain au chocolat. Chocolat bleuet. Ouais. La dent sucrée. Excellent. La dent sucrée, quoi. Ah oui. Bon, alors, à chacun son pain pour Olivier. Merci. Merci. Thomas. Bonjour. Mon coup de cœur, j'ai eu la chance la semaine dernière de participer au rendez-vous en gestion des ressources humaines qui est organisé à chaque année dans Charlevoix. Moi, c'est la première fois que j'y participais. J'ai trouvé que c'est un événement fantastique, très aidant. Ça amène beaucoup de nouvelles façons de faire, beaucoup de nouvelles idées en gestion. Donc, ça a été vraiment pour moi là, une belle révélation puis une belle journée d'apprentissage. Parce que quand tu gères du monde? Ben là, comme à ce temps-ci de l'année, moins. C'est plus tranquille, mais en été, on est une trentaine, 33 employés. Comment ça fait du monde, c'est là? Donc, c'est d'avoir des nouveaux trucs, d'aller chercher le meilleur. Puis, c'est pas toujours des emplois qui sont faciles parce que c'est des longues journées de travail. Les enfants viennent coucher au camp, donc ils sont là 24 heures sur 24. Donc, comment on garde notre énergie, comment on reste motivé et tout ça. Ça se passait où, cette formation-là? C'était du côté du Manoir Richelieu cette année. C'est toujours au Manoir Richelieu? C'est toujours dans Charlevoix. Ouais. Peut-être, je pense que c'est toujours au Manoir, parce que je pense qu'ils sont un des partenaires de l'événement. Ouais. Mais c'est vraiment c'était des entrepreneurs ou des gestionnaires de partout. Je pense qu'ils ont connu un beau succès, parce que quasiment au-delà de 150, 180 personnes, je pense. 185, je pense. 185, quoi. Fait que, super! Alors, t'as appris des belles choses, là. Des nouvelles, on va essayer, en tout cas. Alors, une seule chose, mettre en pratique, ça vaut, je pense, la formation. Je pense que j'en ai deux, fait que je me sens très... T'es gagnant. Isabelle! Oui, bon, moi, dans le fond, c'était la journée hivernale à la CEPAC. Donc, c'est une journée porte ouverte, c'était samedi, le 17 février dernier. C'est vrai, tous les parcs nationaux, en général, ce samedi-là, étaient ouverts. Oui, c'était gratuit. Donc, tu pouvais avoir accès là, aux activités gratuitement. Donc, nous, au niveau de la MRC, on a fait une petite gang, gang de la MRC, et on est allé faire l'activité de sentier. On a fait parce qu'on a le réflexe d'y aller l'été, foncièrement. Oui, c'est ça. Mais l'hiver... Il y avait des choses intéressantes à faire aussi. Donc, on a fait une randonnée. Il y en a qui étaient à raquettes, d'autres à pied. Et puis, en revenant, ce qui était plaisant, c'est qu'il y avait un genre de barbecue au bois. Là. Puis, ils nous faisaient cuire de la saucisse biologique de Charlevoix. Puis, on pouvait en déguster. Ah, regarde, c'est une belle journée. Il a fait beau. Oui. Il a fait beau, c'est agréable. Oui, oui. Puis, il ventait pas. Donc, ça a été Aller escalader une montagne l'hiver, c'est très différent côté technique que l'été. Ben oui. Non, c'est sûr que... Ça glisse dans la neige. On s'habille trop chaudement, je suppose. Oui. Hein? Les premiers réflexes, il fait froid, mais en même temps, on travaille fort. C'est ça. C'est mieux s'habiller plus chaud que pas assez, par exemple. Ah, ouais, c'est ça. Est-ce que ça a été populaire? Il y a eu quand même beaucoup de monde, là, plus dans l'après-midi, là, mais il y avait quand même des gens. Donc, Mais merci d'avoir partagé vos coups de cœur. Puis en même temps, ben, nous, on va regarder ce que Isabelle nous a concocté avec ce fameux... produit artisanal, pratiquement. Un beau sac de papier. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite, merci à mes invités. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.